Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui le lundi matin. Moi, Miona Ben Chana, Peggy Bet Esther, Nissim Ben Aouda, Seder Fatoud, Bat Kolodin Traina, Simon Masoudi, Efrat Mayan, Bat Labetor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah Connect, 5 minutes éternelles, nous étudions ma secrète de Yod, par Exaïn, Mishnah Gimel. Haïd Rabbi Tzadok al Zochalin, Sherabu al Anotfin, Shehem Kherim. Maase Haya, Bevirat Apilia. Une Mishnah qui va nous rapporter maintenant dans la Sechet Mikvaot des détails de différence entre ce qu'on appelle un Mayan et un Mikvé. Pour se purifier, il y a deux manières de se purifier, c'est-à-dire se purifier lorsqu'on se trempe dans l'eau. Il y a deux types de bassins d'eau dans lesquels on peut se tremper. Il y a ce qu'on appelle un Mayan, une source jaillissante, et il y a un Mikvé. Un mikvé, c'est un endroit où on a réuni là-bas de l'eau de pluie. D'accord ? La différence fondamentale, elle est que le Mayan, c'est une source jaillissante, ça s'appelle des eaux de vie. La Torah elle a donné une importance particulière, une force particulière de purifier beaucoup plus qu'un mikvé d'eau, qui est en fait un mikvé, c'est un endroit où on a réuni de l'eau de pluie, où il y avait des halakhot particulières. D'abord, quelle différence il y a entre les deux ? D'abord, pour plusieurs halakhot de la Torah qui ne sont plus tellement en vigueur aujourd'hui, pour la Taharat Metzora, pour le Zav, il peut pas se tromper dans un mikvé, il doit se tromper nécessairement dans un Mayan, dans une source jaillissante d'eau, premièrement. Tandis que les femmes Nidot, aujourd'hui à notre époque, elles peuvent se tromper aussi bien dans un mikvé que dans une source d'eau. Il n'y a pas de différence pour ça. Ça, c'est pour le d'abord qui se trempe. Et à part ça, quelle quantité d'eau ? Dans un mikvé d'eau, il faut une quantité nécessairement de 40 CA pour se tremper. Il faut réunir de l'eau de pluie, un volume de 40 CA, faites le calcul selon Escalav Goudo, j'ai la tête fatiguée pour le verre, vous connaissez bien la formule, CA, Kav, Log, Beitza, donc ça vous fait Vav, Dalet, Vav, c'est aussi 36, allez, 36, 72, 144, une CA, c'est 144 œufs, vous multipliez ça par 40, ça va faire la quantité d'œufs, le volume d'eau requis, je crois que c'est l'équivalent de 250 litres. Tandis que dans un Mayan, dans une source d'eau, alors il n'y a aucune quantité. Dès qu'il y a suffisamment d'eau pour que tu puisses te tremper dedans, eh ben, tu te trempes dedans et tu es pur. D'accord ? L'intérêt, c'est la différence pour la quantité. À part ça, sur la manière dont l'eau purifie. Dans un mikvé, le mikvé, il doit nécessairement, l'eau, elle doit se réunir et être fixée. Kavu vekaime, comme quand il y a marqué dans la parasha de Bereshit, ikavu amayim. La chose de mikvé, c'est un endroit de réuni. C'est réuni, c'est fixe, c'est sur place. Tandis que le mayan, c'est une source jaillissante qui va couler. Quel est l'intérêt ? Si toutefois, on va prendre un mikvé, où il y avait dedans de l'eau qui est en train de... Donc on pouvait se tremper dedans. On a ouvert le trou du mikvé, donc l'eau maintenant, elle est en train de s'évacuer. Eh ben, on ne peut plus se tremper dans cette eau, ni dans l'eau qui est en train de sortir, ni même dans l'eau qui est encore dedans. Parce que le mikvé, l'eau doit nécessairement être fixe. C'est pour ça d'ailleurs, on l'avait déjà évoqué, pour la construction d'un mikvé, il y a des halakhot très strictes pour ne pas que l'eau pénètre dans la terre de manière à ce qu'il n'y ait aucune faille dans le mikvé, pour ne pas que l'eau s'écoule, parce que l'eau, elle doit être fixée, elle ne doit pas être ce qu'on appelle zochalin. Elle ne doit pas être zochel. Zochel et l'izrol, c'est un rampant, comme un... D'accord ? Donc on appelle de l'eau, en fait, ça va être le sujet de notre Mishnah, on va distinguer de l'eau qui est Zochalin et Notfin, c'est une autre raison pourquoi. Zochalin, c'est l'eau qui purifie pendant qu'elle est en train de bouger. Donc, je répète, on a le Mayan et on a le Mikvé. Le Mayan, c'est la source de l'eau de vie. Différence, qui peut se purifier dedans ? Beaucoup plus de personnes peuvent se purifier dans le Mayan, même le Metzora. Il y a des halakhot spéciales pour récupérer l'eau, plutôt du Metzora, pour récupérer l'eau, pour lui faire la tarata Metzora. Il faut que ce soit nécessairement d'un Mayan. On ne pourra pas le prendre un mikvé. Il y a à part ça la quantité, il y a à part ça le fait que l'eau purifie pendant qu'elle est en train de bouger, même si elle est en train de dégouliner, tandis que dans le mikvé, elle doit nécessairement être sur place, avec 40 CA, et pas tout le monde peut se purifier dedans. D'accord ? Le sujet maintenant de notre Mishnah va être de savoir... Qu'est-ce qu'on fait dans un Mayan lorsqu'il y a une source d'eau dans laquelle il y a eu plein de pluie qui est tombée par exemple. C'est très fréquent. Il y a
Il y a c'est fréquent d'avoir des rivières, par exemple, qui ne se forment que lorsqu'il y a de la pluie. On ne parle plus d'eau qui pénètre dans la terre et qui ressort en jaillissant, mais c'est plutôt de l'eau qui va se réunir de plusieurs montagnes, que ça va dégouliner, ça va arriver en aval, ça va se réunir et puis ça va former là-bas un ruisseau. Tant qu'il y a de la pluie, il y a cette rivière, ce ruisseau. Est-ce que là, quel statut ça a? Alors là, il faut savoir, une telle rivière ne peut plus purifier, on ne peut pas se tromper dans une telle rivière. Parce que lorsque l'eau elle va couler, par exemple, ce n'est pas de l'eau de vie. Puisque c'est de l'eau de pluie, il faut nécessairement bloquer l'eau pour qu'elle se réunisse en un seul endroit. Même si on va avoir 40 CA qui vont couler, eh ben on ne pourra pas se tromper dedans parce que l'eau de Mikvé ne purifie pas lorsqu'elle est en train de couler. D'accord ? Il va falloir nécessairement faire un petit barrage, réunir l'eau pour avoir 40 CA qui vont rester bloqués dans un endroit. La question maintenant de notre Mishnah va être de savoir, à partir du moment où j'ai une source d'eau qui dégouline de toute façon, et que en hiver, lorsqu'il y a de la pluie, eh ben, il y a encore plus de pluie qui va se mélanger à cette eau. Est-ce que cette eau va être capable de purifier Bezochalin pendant qu'elle est en train de dégouliner ou non? Et c'est sur ça que Heid Rabbi Tzadok, il a témoigné Rabbi Tzadok, Al Zochalin Sherabu Alanotfin, sur l'eau qui était Zochalin, l'eau de Zochalin, on appelle l'eau de source qui dégouline, qui avait une majorité d'eau de source sur les Notfin. Sur l'eau Notfin qui a été Notef, qui a dégouliné, qui a été réuni, dégouliné des montagnes, qui est en fait de l'eau de pluie, d'accord? Donc s'il y a eu plus d'eau de source, en majoritairement, plus d'eau de source que d'eau de Mikvé, de pluie plutôt, Shehem Kshérim, que cette rivière qui est en train de dégouliner, elle est Kshéra pour se tremper dedans, même pendant qu'elle est Zochelet, pendant qu'elle est en train de bouger, et même aussi pour faire la Tarat Metzora et tout ce qu'on a évoqué. D'accord? Ça, c'était le témoignage de Rabbi Tzadok. Et d'ailleurs, il nous rapporte une histoire. Masaya Bebirat Apilia. Il y avait, d'ailleurs, le cas s'était présenté à Birat Apilia. C'est un endroit, la Birat Apilia, le château de Pilia. Uba Maase Lifne Chachamim Veirshiru. Et il y a eu le cas qui s'est présenté chez les Chachamim. Et Chachamim ont dit, c'est bon, on peut se tremper dans cette rivière, puisque la majorité de l'eau qui coule est de l'eau de source. D'accord? On fait à présent le Bartanoura, si déjà on a une mission très courte, pourquoi pas. Il nous explique, le Bartanoura. Alors Zochalin, Shirabu ala Notfin, il va nous expliquer c'est quoi Zochalin et c'est quoi Notfin. Zochalin, de l'eau qui dégouline. Hen, kegon neharot, c'est comme des fleuves, des rivières. Shem nigarin algabe karka, qui sont traînés, qui dégoulinent du sol. Lachon Zochale afar. Le mot Zochalin vient comme ce qu'on a dit Zochale afar, qui sont les. C'était dans Azino d'ailleurs. Zochalafar, c'est les rampants. Vedinan ke Mayan, alors leur statut est comme un Mayan, comme une source d'eau. Shehen metaharin bezochalin bekol shehen, qui peuvent purifier même pendant qu'ils sont en train de dégouliner, et même si elles sont kol shehen, une quantité petite. Ven kshirin et kadesh ben mechatat velitvila zavim, cette eau-là, elle est aussi kshera, pour pouvoir purifier, en faire les mechatat, pour faire la taharat metzora, récupérer l'eau dans le kli, la Torah l'insiste, maim chaim el keli. Donc on pourra prendre cette eau-là, même si on ne voit plus la source jaillissante, elle a plusieurs kilomètres, mais puisque ça dégouline, et puisque finalement il y a eu même la majorité de Zochalin, qui est là plus que de Notfim, plus que de pluie, donc c'est permis. Mais Notfim maintenant, il nous explique, c'est quoi des Notfim? De l'eau qui dégouline en tif-tif, en tip-tip, un peu, en goutte à goutte, qui goutte, de l'eau qui goutte, en fait, par définition, ça vient de Tipa. Notef, qui coule, ça vient de Tipa. Une goutte. Hen kegon meisharim, c'est par exemple de l'eau de pluie. Vedinan ke mikvé, et leur statut est comme un mikvé, ce qu'on appelle la patara du mikvé. L'etaher bar vaim sea, au behashboren, qui ne peut purifier que lorsqu'il y a une quantité de 40 sea, et en plus ça, ke behashboren, qui a été cassé, c'est-à-dire on a cassé son déplacement, on l'a fixé sur place pour qu'elle purifie. Ou psoulin la mechatat, donc ça c'est impur pour la mechatat. Shainan maim chaim, parce que c'est ne pas considéré comme de l'eau de source. Vechen et litvelat zavin, et aussi le zav ne peut pas se tremper dedans. Orche amar, maintenant, le Bartanoura, une fois qu'il a expliqué c'est quoi les zochalin et c'est quoi les notfin, maintenant il nous explique le sens de notre Mishnah. Orche nitarvo zochalin ben notfin, verabua zochalin, et lorsqu'elles se sont mélangées, l'eau de source avec l'eau de pluie, et qu'il y a eu une majorité d'eau de source, dinan kezochalin, le statut du mélange général
prend un statut de zochalin, d'eau de source, ou kshirin le kadesh ben mechatat, vilit vilat zavim, ou metarin bezochalin, ou bekol shem. Et donc, on pourra, dedans, il y aura toutes les coulottes, toutes les permissions qui ont été données pour l'eau de source, qui sont le kadesh ben mechatat, faire la tara du metzora, remplir son kli, les tvilat zavim pour que le zav puisse se tremper dedans, ou metarin bezochalin, ils peuvent aussi même purifier un homme qui se rendra alors qu'elle est en train de dégouliner, ou bekol shem, et même si une quantité infirme, infime, ou Beirat Apilia. C'est quoi la Beirat Apilia? Il nous explique Shem Makom, c'est le nom d'un lieu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov Salah.